ce matin, les scientifiques nous ont laissé seuls à la base. Le temps d'aller chercher le ravitaillement. Alors que nous nous brossons les dents, nous entendons Adrien brailler dans sa chambre. Les enfants, aïe, ouïs, arrêtez, c'est pas drôle. Un manchot s'est introduit dans la chambre d'Adrien. Il se tient debout sur lui et lui met des claques. La maîtresse se sauve en hurlant. Elle a une peur terrible des manchots. Il faut sortir à tout prix ce manchot du dortoir. Nous allons attirer le manchot dehors avec du poisson. Dans la cuisine, les frigos sont vides. Adrien continue à se prendre des baffes. La maîtresse se remet de ses émotions. Nous partons pêcher du poisson. De retour à la base, nous disposons les poissons pêchés en ligne pour faire un chemin jusqu'à la sortie. Ça marche! Une fois dehors et l'estomac bien rempli, le manchot retrouve sa compagne et sa colonie. La maîtresse a retrouvé sa couleur. Adrien, lui, restera toute la journée cloué au lit. Tout le reste du séjour. Il flottera dans notre dortoir une affreuse odeur de poisson. Plus besoin de faire des kilomètres pour le poisson. Colle des claques aux garçons, ils t'enfileront. Bonjour. Comment t'appelles-tu ? Est-ce que tu as des cartes Pokémon ? Non, je n'en ai pas. As-tu une famille ? Oui, j'ai une famille. Sais-tu voler ? Non, je ne sais pas voler. Sais-tu glisser sur la glace ? Oui, je suis en train de glisser. As-tu des amis ? T'as compris, toi, ce qu'il a dit ? Non, pas trop. C'est chaud, le manchot. Tous les matins, après son petit déjeuner. Et avant de se rendre à la cantine pour cuisiner. La dame de la cantine va prendre sa douche. Les douches sont loin du dortoir. Il faut marcher. Bien on m'étouffle dans ses habits. Dans le vestiaire, la dame de la cantine se déshabille. Et hop, dans la douche. La douche est chaude. Et la dame de la cantine prend son temps. Un manchot qui passe par là entre et se sauve avec les vêtements. Oh, quelle mauvaise surprise. Quand la dame de la cantine sort de sa douche, elle crie au secours. Mais personne ne l'entend. Au secours ! Enroulée dans sa serviette, la dame de la cantine court rejoindre le dortoir. L'air est glacé. Et à mi-chemin. La dame de la cantine gèle et se transforme en glaçant géant.
À notre réveil, par la fenêtre, nous apercevons le glaçon. La maîtresse organise 3 équipes. Une équipe pour amener la dame de la cantine au dortoir et la faire fondre. Une équipe pour partir à la recherche des vêtements. Et une équipe pour partir s'occuper du repas de la cantine. L'équipe cantine part à la pêche. Et cuisine. Des crevettes. Mais pas brûlé, une équipe de manchots est arrivée.
C'est le jour où moi et Elliot, on a fait une bataille de boules de neige avec les manchots et nous avons fini par gagner. Et en plus, on leur a appris à faire une bataille de boules de neige parce qu'ils ne savaient pas faire. En Antarctique, c'est facile un peu de faire des boules de neige. Et on peut en faire des énormes avec toute la neige qu'il y a. On était en train de jouer dans la neige. Et après, Hamza, il a crié. Et du coup, ça a fait peur aux manchots. Les manchots, ça leur a fait peur. Du coup, ils ont couru après Hamza. Et moi, du coup, j'ai attrapé une grue qui était en train de partir. Et du coup, Hamza, il m'a crié, Lina, pourquoi tu descends pas? Alors là, c'était de la grue et elle les a fait fuir en leur lançant des boules de neige. On a eu très peur. C'était assez drôle quand même. Là, c'était le jour où j'étais sur la moto à neige et mon copain Angelo, il est tombé sur moi. Et on a fait une bataille de neige. Et j'ai fait exprès pour tomber sur la moto à neige. Mais moi, j'ai pris la moto à neige, mais j'avais pas le droit, je l'ai pris en cachette. Moi aussi, l'avion et le parachute, je l'ai pris en cachette. En fait, c'était très bien quand on avait fait le jeu avec le manchot. On jouait à cache-cache. Il était très gentil. Il nous faisait beaucoup. Il était nul à cache-cache. Et il était très gentil. Il nous laissait faire tout ce qu'on voulait. Il nous aidait. Mais il était. Mais aussi, en fait, il était très gentil. Et il nous laissait toucher ses petits, sauf quand il était énervé. C'était bien les vacances. C'était la coulée douce. C'était trop bien. Là, c'est le jour où on faisait une bataille de neige. Je la faisais contre Mohamed Yad, il me jetait des boules de neige. J'étais en motoneige, c'était dur de viser, mais j'ai quand même réussi de la viser. Ouais, en plein visage. C'était un pingouin qui nous prenait en photo. Ah oui, il était trop drôle. C'est le jour où Sana et moi, on était en motoneige, et mon chat est venu, il a cassé le seul glacier. Sana, elle allait presque tomber, mais je suis descendue pour la sauver. En fait, on n'avait pas le droit de faire de la motoneige, mais comme la maîtresse était en réunion, on en a profité pour en faire un peu. J'étais content de faire la motoneige parce que quand j'étais petit, j'avais envie de faire la motoneige. Oh, c'était bien ces vacances en Antarctique. Mais sauf ça faisait trop froid. Ce jour-là, j'avais tout préparé pour. J'avais préparé tout un tas de boules de neige dans un seau. Et ensuite, j'ai sauté de l'avion, j'étais en parachute et j'ai jeté des boules de neige sur Lina. Toute la classe était en train de donner à manger aux manchots. Et moi, j'en ai profité pour prendre la motoneige de la base et essayer de monter dessus. Et c'est là que je me suis pris les boules de neige de Yacine. Et c'était trop drôle. Ah oui, c'était la fois où Avram faisait du parachute. J'avais pas le droit à faire la parachute. Mais moi, j'avais trop envie. J'ai essayé de l'attraper quand il allait atterrir. Mais il a raté. Je me suis fait écraser. C'est le jour où j'étais en train de me faire prendre photographier avec avec un manchot et une maman manchot et un bébé manchot. J'ai lancé les boules de neige sur les manchots. Ça les a complètement affolés, les manchots. Ils sont mis à crier. Ils sont partis avec mon appareil photo après. Et le papa manchot, il leur a dit de me rendre l'appareil photo et de me demander pardon. J'étais en train de faire de la motoneige et Nour était poursuivi par les manchots et je l'ai sauvé avec ma motoneige. C'est parce que j'ai caressé le petit et sa famille s'est énervée et ils ont commencé à me poursuivre. J'ai eu peur qu'il la mange aussi. C'était le jour où Soumaya et moi, elle faisait de la moto, neige, et moi, je dansais, et Cassandra m'a grondé. C'était un moment libre,
Et moi, j'ai fait de la motoneige et c'était la première fois que j'en faisais. C'est un peu bizarre de faire de la motoneige et les commandes sont dures à contrôler. J'ai continué de danser et Cassandra, ça l'a fait rire. C'était drôle, ces vacances. Ah oui, on faisait une course de motoneige avec Faris. Ah oui, il y a un manchot qui nous a pris en photo. Je savais même pas que des manchots, ça prenait des photos. Elle était très rapide, la moto Anne. Très beaucoup, même. En fait, Mélissa et moi, on avait fait une bataille de neige contre les manchots. C'était mon idée. Et après, le manchot, il m'a donné une boule de neige dans la tête. C'est nous qu'on a appris à faire des boules de neige aux manchots. Ils sont un petit peu plus forts que nous. Ils ont vite appris, dis donc, les manchots.